Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Chers internautes, merci d'être au rendez-vous. Likez nos émissions, abonnez-vous davantage parce que nous avons des choses à vous présenter. Ce matin, je reçois une équipe de divins du Troisième Testament pour pouvoir continuer notre randonnée. Et vous êtes présents, vous allez peut-être être satisfait de l'une de vos préoccupations. Mais avant d'entrer dans la matière d'aujourd'hui, je vous dis, faites comme d'autres gens qui pensent à leurs origines, à leur province, à leur cité, et qui font du bien pour la population. Je vous ai parlé autrefois que les Nigérians, et quand ils gagnent beaucoup d'argent, l'honneur chez eux, c'est de construire au village. Et voilà pourquoi chez eux, au village, vous allez trouver des citernes d'eau, vous allez trouver même des villas imposantes, vous allez trouver que les gens restent là-bas, ils produisent pour les villes, parce qu'ils n'ont rien à envier totalement de la ville. Ici, je vous présente l'hôtel Gloria. Pour vous, le Grand Kassai, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes partout, même dans certaines des provinces de la République démocratique du Congo. La raison était que chez nous, au Kassai, il n'y a pas un lieu où on peut aller loger pour faire nos activités agro-pastorales, ou pour même travailler les diamants, ou pour commencer à travailler le cobalt qu'on a découvert par des milliers de tonnes. L'hôtel Gloria est là. Et a mis tout ce qu'il faut. Même l'internet est là. Gratuitement pour les gens qui logent cet hôtel Gloria. Voici la présentation de cet hôtel Gloria. Chez les gens intègres. C'est parti. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes de tous rangs, vous qui venez en Mbujimayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec trois types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide. Une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur Terre. L'hôtel Gloria
organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre, car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Cachalabonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. C'est l'hôtel Gloria. Et c'est très, très... Il faut y aller. Hein. Il faut aller vivre. Il faut aller trouver ce qu'il y a là. Mais ce n'est pas fini. Là, l'hôtel Gloria vous donne un cadre. Vous allez là-bas, vous prenez votre chambre. D'ailleurs, on vient vous récupérer directement à l'aéroport par un minibus confortable, climatisé. Parce que vous aimez tout ça. Mais je vous présente aussi la fondation André Kadima, qui continue à œuvrer. Vous avez vu, vous allez voir dans cet élément, des écoles en chaume. Il a acheté des tôles pour pouvoir permettre à ce que l'abri soit confortable. Il a continué l'opération tableau. Parce que beaucoup d'écoles, comme je l'ai vu à l'Équateur, en Bujumaï, dans le fond du Katanga, mais au Bakongo, au Bandundu, les enfants étudient à même le sol. Nous avons le bois au Congo, mais nous ne fabriquons pas de bas, nous vendons le bois. Maintenant, lui, il a fabriqué des tableaux, il a donné des tôles, il continue à le faire. C'est ça qu'on demande à tout le monde. Voici les œuvres de la Fondation André Kadima au Kasaï Oriental. Dans le cadre de l'opération baptisée « Aucune école sans tableau », la Fondation André Kadima a fait un important don des tôles, des tableaux et des boîtes d'écrits à quatre écoles primaires du territoire de Tshilenge. C'est la vice-gouverneur des provinces qui a procédé le week-end à la remise de ces dons aux écoles bénéficiaires. Jeannette Longa-Moussouamba a salué la bonne volonté de la Fondation André Kadima qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des enfants, l'avenir de demain. Fondation André Kadima, je travaille avec la fondation depuis plusieurs années. J'étais à Kouad il y a deux semaines, je me suis arrêté à deux écoles, j'ai pris les images et je les ai envoyées à la fondation Kadima. Et Kadima a pris ça en charge, il a montré les images et voilà, quelques jours après seulement, j'ai eu à récolter 1200 tonnes. Avec les 1200 tonnes, j'ai donné 400 tonnes au pasteur Chibemba, le 31e CPC, et les 800 tonnes, je viens de les distribuer dans les quatre écoles ici, au territoire de Katanda, deux territoires de Katanda et deux écoles du territoire de Chibemba. Et non seulement il y a eu 1200 tonnes, on a eu aussi des tableaux, on est encore en train de fabriquer d'autres tableaux. Il y a eu des clés, il y a aussi des lampes solaires qu'on a distribuées, mais ce n'est pas encore fini. On va encore continuer, soit demain ou la semaine prochaine, on va continuer avec des lampes solaires. Et c'est ça l'œuvre de la Fondation. Merci beaucoup à la Fondation. Merci à l'ami, beaucoup de mecs qui donnent à la Fondation. Que Dieu assiste, que Dieu nous donne cet amour-là. Demain, les pauvres qui sont avec nous à côté. Et je crois que d'ici quelques temps, les choses vont changer. Le chef de l'État l'a dit aussi, 2021, c'est l'année où le travail va commencer, on a commencé. Quand vous regardez ce qui se passe à Kinshasa aujourd'hui, et ce que nous sommes en train de faire dans nos provinces, c'est pour dire que les choses commencent et on va aller de l'avant. Assistons le chef de l'État, là où nous sommes, dans nos territoires, dans nos provinces, nous devons nous mettre aussi au travail. Ce n'est pas à lui de venir faire ce que nous devons faire dans nos provinces. Merci, Fondation André Kadima. Les pères divins. Il y a l'hôtel Gloria là-bas. Quand vous irez en Bujumaï, vous allez loger là-bas. Comme vous aurez des grands symposiums là-bas, vous allez faire à Kinshasa et puis vous irez faire là-bas. Nous avons essayé de parler dans les coulisses. Et donc l'hôtel Gloria est là. Vous voyez,
vous, vous êtes sur le domaine spirituel pour remettre les gens en confiance avec l'éternel créateur. Mais ici, il y a des gens qui préparent aussi les écoles où vous irez enseigner cet évangile. Alors, nous commençons par Rudy Kabuya. Moi, je n'aime pas vous appeler Rudy, vous savez. Rudy signifie quoi? C'est pas. Vous l'avez pris c'est comme ça. C'est pourquoi je me suis étonné quand vous m'avez appelé Rudy. J'aime bien le deuxième nom que vous avez dit. C'est parce que j'insiste, hein? Non, c'est des natures. Ça trouvait déjà des natures comme ça. C'est vrai. Kabuya signifie quoi? D'abord, c'est ça même le nom. C'est le nom que je porte. C'est le nom qui constitue le lien avec mon arrière. Voilà. Je suis le lien avec mes ancêtres. C'est un nom de la lignée des ancêtres. Et voilà, de manière générale, c'est un homme calme et qui médite presque sur tout. Mais il y a grand risque hein, quand on médite sur tout. Hein. Presque. C'est à la périphérie de la folie. Presque. D'accord. Tu as quel âge maintenant pour être père divin? J'ai 33 ans. 33 ans, très jeune, pour s'exercer, se mettre à cet exercice. L'âge avec lequel Jésus est parti. Jésus est parti. Ah bon, tu es le fervent croyant de Jésus-Christ. Oui, le vrai Christ, pas le Christ qu'on nous a amené déformé. Hein. C'est vrai. Et Kabuya, malgré cet virage à 180 degrés, est allé aux études. Oui, tu as fait les enseignements classiques. Oui, je suis licencié en sciences économiques et de gestion. Donc, Les destructeurs du pays. Non, les tueurs économiques. Les ce sont toujours les économistes qui tuent hein, en Afrique. Le faux économiste. Il y a des doutes d'en avoir de vrais. Hein. Avançons quand même. Et à quel âge vous avez commencé à aimer les choses spirituelles? Je ne sais pas peut-être dire avec précision. Mais d'après la petite histoire, voilà, donc mes parents me disent que c'était encore très bas, encore très bas, que déjà à l'école maternelle, déjà à l'école primaire, j'étais un peu un garçon spirituel, quoi. Donc j'ai parlé des choses qui dépassaient l'entendement humain. J'aimais bien m'intéresser à des choses avec profondeur, quoi. Donc, si je peux parler. avec précision, l'âge avec lequel j'ai pris vraiment conscience que c'est la véritable route qu'on est en train de suivre, c'est pratiquement la fin de mes études humanitaires. Hein. Donc, dès que j'ai fini les études humanitaires, quand et là, c'était à l'université, à l'EDAP en Mujima. À l'EDAP, Moulemba. Institut Moulemba, oui. Très bien. J'ai fait une conférence là-bas. Là, vous n'étiez pas encore à l'école secondaire. Probablement. C'est en 90. 90. Ouais, je crois que je n'étais pas encore. Ah, voilà, c'est bien. J'ai fait une conférence là-bas. Je connais bien l'EDAP Moulemba et les Dibois de Bois-Cana aussi. Ah, voilà. Vous avez commencé à vous intéresser par vous-même ou bien il y a quelqu'un qui vous a soufflé quelque chose et qui vous a intéressé? Oui, hein, y a quelqu'un qui m'a soufflé, il y a quelqu'un qui m'a montré, qui m'a pointé le chemin, il y a quelqu'un qui m'a orienté. Et c'est quelqu'un, c'est mon père, c'est quelqu'un, c'est ma mère. Donc c'est quelqu'un, ce sont mes parents qui m'ont mis sur ce chemin. Et sans doute ils étaient amis en Kobon. Non, non, loin de là, loin de là. D'ailleurs, mon père était parmi les gens qui vous critiquaient cet évangile, vous n'avez pas idée. Quoi. Quand on me raconte ses débuts, c'était un monsieur qui n'aimait même pas qu'on cite ce nom de ce prophète-là, ni de cette alliance. Mais quand il est arrivé, comme on a toujours dit, avant de critiquer, il faut d'abord comprendre, lire la chose. Quand il s'est approché de la chose, il s'est dit qu'il était en train de rejeter son plus grand bonheur qu'il pouvait avoir. C'est ainsi qu'il nous a intéressé. Est-ce qu'il peut dire aujourd'hui qu'il est heureux? Ou bien vous, le fait d'être heureux, c'est le fait seulement de connaître et de se caresser l'esprit. Parce que souvent, c'est comme ça chez les Noirs. Ils créent une certaine philosophie, une certaine pensée, et ils se contentent de ça, mais qu'ils n'ont pas de résultats sur le terrain. Ouais, est-ce que ce n'est pas le cas avec les parents? Non, je sais qu'il a été toujours content. D'ailleurs, qu'il soit content ou pas, moi je l'ai toujours dit, je l'ai déjà dit plus d'une fois, pour dire que
le plus grand cadeau qu'il va me laisser, c'est de m'avoir montré ce chemin. C'est plus que tout ce qu'il peut me laisser, faire de moi licencié en économie, faire de moi tout ce qu'il me laisser le parcel de trucs, ça ne représente en rien par rapport à l'effort qu'il a fait en tant que jeune dans un environnement que nous connaissons avec vous aujourd'hui, où les jeunes n'ont pas vraiment une oreille attentive vers les aînés, qu'il est arrivé pas à nous imposer, mais à nous convaincre de suivre ces chemins et d'aller découvrir ce que nous sommes en train de découvrir. Et vous êtes content quand on vous appelle Père Divin? Très content et en même temps une interpellation. Très content du fait que, voilà, je suis l'image et la ressemblance de Dieu. C'est d'où est venu le mot divin, parce que tu viens de Dieu. Et la responsabilité, l'interpellation, c'est quoi? Est-ce que je le mérite? Dans ce que je fais, dans ce que je dis, voilà, est-ce que je le mérite? Donc c'est une interpellation qui me permet, chaque fois qu'on m'appelle comme ça, de faire un examen de conscience pour faire une perfection continuelle. Est-ce que vous pouvez vous situer dans cette alliance? Vous jouez quel rôle? Je ne suis qu'un simple prêtre qui est en train de jouer comme une pièce du puzzle afin que la mission ou les objectifs de l'alliance soit atteint. Donc c'est atteint, c'est pratiquement le petit rôle que je suis en train de jouer. Pourquoi vous l'appelez petit? Parce que je ne suis pas le seul. L'humanité entière, telle qu'on a dit avec vous dernièrement, ce n'est pas seulement les gens qui sont aujourd'hui au Troisième Testament, qui sont fils de Dieu. Il a ses élus, il a ses fils qui sont un peu parsemés partout, avec qui il est en train de travailler. Donc je ne suis qu'une simple, minuscule pièce du puzzle. Quoi. Kabuya est marié? Oui, Kabuya est marié. Père de? Deux enfants. Deux enfants. Que j'aime beaucoup là. Tout le monde aime ses enfants, on ne t'en fait pas. À vérifier. Hein. Si c'était le cas, on n'allait pas voir les chèques au marché. Hein. Non, les chèques au marché n'est pas le fait qu'on ne les a pas aimés, ça c'est faux. C'est discutable. Non, ce n'est pas discutable, c'est comme ça. Dieu, tel qu'il a fait les choses, qu'est-ce que vous allez dire? Il y a des chétifs. Mais c'est Dieu. Les chétifs sont là. Vous n'allez pas dire parce qu'il est chétif parce qu'on ne l'a pas aimé. C'est une variété. Rien ne prouve que quand on est chétif, on est moins avantagé quand on est géant. Rien ne prouve que quand on est géant. Mais rien aussi ne prouve que quand on est chégué, on est moins que l'autre. On est moins parce que là où il dort et là où moi je dors, c'est différent. Mais les traitements qu'il a, c'est que vous vous regardez et là où lui il regarde, c'est pas la même chose. Mais au moins les traitements. Quand vous êtes dans la foule, il a une difficulté. Il vous demande toujours vous. Vous voyez, cela veut dire que c'est une variété. C'est-à-dire que c'est une ambiance sur la planète Terre. On doit avoir tout ça. On doit avoir cette variété. Elle est là. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Ce n'est pas pour rien que vous êtes venu avec le Troisième Testament. Donc si c'est une variété à corriger, à éliminer. Non. Il faut se poser la question de savoir si réellement les Très-Hauts trouvent que c'est une tare. Oui, quand je l'ai dit, j'ai toujours fait mes déclarations sur base du caméra divin, de la caméra divine plutôt. C'est vrai. Oui. Qu'est-ce que vous pensez lorsque la nourriture d'un lion, c'est l'antilope, sur base de la cette caméra? Ce que nous devons savoir, et que peut-être beaucoup de livres sacrés ne le disent pas, quand on dit que l'homme s'est rebellé, l'homme a tourné dos à Dieu, généralement les gens voient que l'homme, voilà, la personne. Mais c'est que nous avons toujours insisté au Troisième Testament et que toute la nature s'était rebellée contre Dieu. Ça veut dire Satan a donné le mal. D'ailleurs, le Troisième Testament nous dit, quand Satan, la Bible nous dit, malheur à la terre, car Satan y descend animé d'une grande colère, car sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand il est arrivé, les premières choses que Satan a commencé à déranger pour qu'il ne respecte pas l'ordre authentique avec lequel Dieu les avait créés, ce n'était pas principalement les hommes. Satan a commencé d'abord à abîmer la nature. Le fonctionnement que nous avons, même de la nature,
n'est pas le fonctionnement authentique. C'est pourquoi aujourd'hui, Papa Dombo, je ne dis qu'on vient pas. Il y a une plante qu'on vous dit qu'en 1960, cette plante soignait telle maladie. Mais vous arrivez qu'en 2010, ça ne soigne plus cette maladie. On va vous dire qu'au commencement, truc, il y avait un tel animal qui jouait tel rôle, mais finalement, après, qui ne jouait plus ce rôle-là. Ça veut dire, l'aspect que, vous êtes en train de dire est que, en résumé, je vais dire, l'ordre natal qu'on veut restaurer dans l'humanité n'est pas seulement dans l'homme, mais dans toute la nature. Parce que ça tend à déranger l'air, ça tend à déranger les animaux. Les serpents n'étaient pas faits pour que quand ils nous voient, qu'ils puissent nous mordre. C'est un ordre qui est dérangé. Il pouvait passer ici, voilà. Je pouvais même parler avec le serpent pour lui dire que, okay, est-ce que tu peux me laisser là parce que là tu es en train de déranger, va au coin là. Il part au coin. Pourquoi ça ne se fait plus? Il y a un ordre qui a été dérangé. Si les lions sont en train de manger notre animal, est-ce que c'est à nous de s'interroger? Est-ce que c'était ça l'ordre natal? C'est comme un humain qui mange un autre humain. Mm. Est-ce que c'est ça l'ordre natal? Parce que ça s'est fait aussi. Mm-hmm. Parce que c'est ça l'ordre natal. Donc c'est dans ce sens, c'est dans cet angle-là que je suis en train de prendre ça. Dans deux mots, oui. Dieu était incapable de diriger sa propre créature, Satan. Un nom en majuscule. Je dis un nom en majuscule. Dieu n'est pas incapable de diriger sa propre créature. Ou ça lui fait plaisir de le laisser faire, déranger l'ordre de tout. Et lui, il est là au ciel. Il laisse déranger l'ordre. Et puis, il amène l'évangile pour vous soulager. Ok. Dès le commencement, on a toujours dit, d'ailleurs plusieurs religions le répètent, que l'homme a été engendré à l'image, à la ressemblance de Dieu. Premier élément. Ça veut dire Dieu prenait l'homme pour son semblable. C'est pourquoi dans plusieurs livres sacrés, il dit vous êtes aussi des dieux. Aujourd'hui. La troisième alliance. Avec cette explication tout de suite. Oui. Là, nous sommes dans la troisième alliance. Exactement. On avance. La troisième alliance, c'est Marie aussi, hein, cet aspect de choses. Que voilà. L'homme étant à l'image à la ressemblance de Dieu, l'homme avait ce qu'on appelle, c'est Dieu. C'est que les autres livres sacrés ne disent pas clairement, le mal, la force du mal et la force du bien. Ça veut dire, ou bien le bien et le mal, c'est Dieu qui s'est auto-engendré avec ces deux forces. C'est comme au jardin d'Éden, quand on vous dit, tu mangeras l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Ça existait dans le jardin d'Éden. Avant que Satan ne puisse se rebeller, il y avait l'arbre de la vie, il y avait l'arbre du bien et l'arbre du mal. Et beaucoup de gens comprennent mal quand on dit le mal. Le mal, c'est quoi? Le mal négatif, c'est quand j'utilise cette force pour nuire à quelqu'un. Mais le mal positif, c'est quoi? Vous savez, l'enfant c'est méconduit à la maison. Vous lui donnez une gifle. Ça lui cause du mal. Ce n'est pas pour le nuire, mais c'est pour le corriger. Ouais. Dieu voit que non. Ce que Papa Kadoma est en train de vouloir faire, si je le laisse aller, il risque de trop se méconduire. Alors pour le remettre sur le chemin, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie une maladie qui va l'immobiliser pendant 3 jours. Le projet qu'il est en train de vouloir exécuter va s'éteindre et puis il va se retrouver pas avec la possibilité de jouer ce projet-là. Il peut t'envoyer une maladie. Et ça te frappe, ça t'immobilise dans la maison. C'est un mal que ça te crée. Mais il ne l'a pas fait avec l'intention de nuire. C'est comme aujourd'hui, les gens ont confondu ça avec la politique, par exemple. On voit quelqu'un entrer ici, votre fils aîné. Il entre ici en train de courir, transpirer. Il dit, papa, on est en train de me suivre pour me tuer. Il entre dans la maison, il se cache. Et à un moment, c'est la police qui entre pour dire, papa, tu crois en Dieu? Oui. Tu connais que mentir, c'est mauvais? Oui, je connais. Tu connais, l'homme de Dieu ne dit que la vérité? Oui. Ton fils est passé par ici. Tu vas dire, oui, il est passé par ici, il est dans ma maison. Je ne crois pas. Papa Kadoumou, donner une telle réponse. Dire, je ne sais même pas de quoi vous parlez. C'est un mensonge, ce que vous venez de dire là. Est-ce que c'est un mensonge mal? C'est un mensonge positif? Parce que ça t'a aidé à sauver une situation sans nuire à quelqu'un. Voilà, sans nuire à quelqu'un. Abraham arrive avec sa sœur, qui Dieu a beaucoup aimé Abraham dans la Bible, qui était sa femme. Abraham te dit, ok, si je présente cette fille comme ma femme, ces messieurs ici risquent de me tuer pour rester avec elle. Je la présente comme ma soeur. Et puis, c'est un moyen pour moi de franchir telle barrière et puis passer. Tout en l'exposant à l'adultère. Tout en l'exposant. Mais voilà. Et là, c'est un mauvais mensonge. Voilà, c'est un mensonge risqué.
C'est un mensonge très risqué. Mais ce n'est pas un mal. Parce qu'un mal, il ne l'a pas fait avec l'intention ni de nuire à sa femme, ni de nuire à ce roi-là. Pourquoi tu fais ça à sa femme? C'est ton épouse? Non, je fais ça. Ce n'est pas elle. Non, non, c'est juste le doigt. C'est juste le doigt qui est allé de son côté. Donc, c'est pratiquement un peu ça. Divin Kabouya, vous venez de me dire que cette notion, on ne l'a pas donnée dans d'autres enseignements de certains livres qui ont existé, mais vous, vous la tirez du nouveau, du troisième testament. Alors, soyons précis. Où c'est le troisième testament, où c'est la troisième alliance? Vous êtes de quel côté? Ok, merci. Je crois c'est une question qui nous revient souvent. Le testament tel qu'on le dit, c'est quoi? Bon, c'est quelqu'un qui veut quitter là où tu es pour un long voyage ou carrément changer de monde. Voilà ce que moi je pense sur tel point. Il vous laisse un document comme ça. Il atteste dans ce document comment est-ce que les choses vont se passer, les choses sur lesquelles il avait le droit quand il était là. Mm-hmm. Ça s'appelle un testament. Le texte qu'il laisse là, dans le testament là, vous lie à lui. Ça crée une alliance avec lui. Donc, c'est pourquoi, des fois, on le prend comme des termes synonymes, mais ça se complète dans ce sens-là. Nous sommes troisième testament, parce que, voilà, Dieu qui dit, pour le troisième cycle de rédemption de l'humanité, parce que je n'habite pas avec vous sur la terre, moi, j'habite un autre monde, mais vous qui êtes dans ce monde-là, voilà comment est-ce que les choses doivent se gérer, voilà comment la science doit se gérer, voilà comment la politique doit se gérer, voilà comment la spiritualité doit se gérer, voilà tout le domaine de la vie, comment ça doit se gérer au niveau de cette... Le testament, oui. L'alliance n'est qu'une conséquence. Oui, l'alliance, voilà. Alors, l'alliance maintenant votre testament là, oui. C'est dans... Vous avez amené le bouquin? Malheureusement, c'est dans la voiture. Hein. D'accord. C'est là qu'on a consigné tout là-dedans. Oui, c'est dire tout, c'est peut-être tomber dans ce qu'on va démontrer peut-être plus tard avec ce que les chrétiens disent. Hein. N'ajoutez point, ne retranchez point. C'est comme si Dieu commence à parler à 11h, il s'était à 18h, il ne parle plus. Tout ce qu'il pouvait dire à l'humanité est consigné dans ces petits livres que nous avons là. Non. Le livre ne sont que de sommation de la parole de Dieu pour une certaine période. C'est comme aujourd'hui, on a ces livres-là. Demain, après-demain, Dieu va encore inspirer d'autres écrits. On va construire encore un autre livre. Il va encore inspirer d'autres écrits. On va construire un autre livre. Alors, on ne va pas dire que le testament, c'est quoi? C'est ses premiers livres. Non. Le testament, c'est toute la parole de Dieu qu'il a révélée, qu'il révèle et qu'il le révélera plus tard. Aujourd'hui, vous allez nous parler de cette alliance. Oui. Sur quel point? Merci, Papa Kadiombo, pour la question. Et surtout pour ces petits rappels, hein, ces petits contours que nous venons de faire, ça a été vraiment essentiel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a voulu parler à nos auditeurs, c'est est-ce que le troisième testament est-il authentique? Est-ce qu'il est vrai? Parce que comme première réaction, je crois que c'était même la première réaction chez Papa Kadiombo, quand on l'a vu pour la première fois, quand on a cité troisième testament, il a tiqué. Parce que voilà, tellement endoctriné avec, il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, et on ferme les guillemets. Et même dans la Bible, on vous dit, à part Jésus-Christ, à part la deuxième alliance, là, tu viendras encore faire quoi? C'est lui, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie éternelle en dehors de cette alliance. Donc tout est fermé. Mais aujourd'hui, on dirait, on vient du néant là, pour dire aux gens, on a parlé dernièrement, sur différentes questions, différentes réponses qu'on a répondues. On a parlé de l'origine de l'homme. Mais est-ce que ces gens qui sont en train de nous raconter toutes les théories qu'on a racontées sur Kadiombo TV, qui se disent du Troisième Testament, qui se disent de la Troisième Alliance, est-ce que le Troisième Testament est-il vraiment authentique? C'est pratiquement autour de ça qu'on a voulu graviter avec Kadiombo TV. Essayez de prouver que c'est authentique. Merci. Comme preuve que le Troisième Testament est authentique, avant de donner directement la preuve,
on pose la question à ceux qui se posent cette question. Pourquoi il y a eu alliance? Dieu qui a engendré l'humanité, et puis, bon, première alliance, deuxième alliance. Parce qu'aujourd'hui, si on s'appelle troisième alliance, ça veut dire au moins, nous reconnaissons qu'avant nous, il y a eu deux. C'est-à-dire, nous sommes en troisième position. Pourquoi est-ce qu'il y a des alliances entre Dieu et l'humanité? C'est avant de dire le troisième testament est-il vrai ou faux. Pourquoi? La raison est presque commune, la compréhension est presque commune dans beaucoup de religions. C'est laquelle? Dieu a engendré l'homme à son image et à sa ressemblance, il habitait les jardins d'Eden. Finalement, nous partons en résumé hein, pour arriver à la réponse. L'homme s'est rébellé par Satan. Satan, finalement, l'homme a été déchu. L'homme a coupé son alliance avec Dieu parce que l'homme a fait les interdits. Dieu a coupé son alliance. Ça veut dire Dieu a coupé le contact le plus intime, le plus permanent avec l'homme, avec l'humanité. Après un moment, tel qu'on dit dans la langue maternelle, dans ma langue maternelle que j'aime bien, l'unique langue au monde qui est restée avec des vibrations de la langue authentique qui est le Tshiluba, on dit Dieu, après des années, il a constaté, bon, mon fils s'est méconduit. Est-ce que je dois le laisser éternellement souffrir comme ça alors qu'il a été engendré à mon image, à ressemblance, sans mort, sans souffrance, sans maladie, sans quoi? Non, il est tel qu'on dit encore en Tshiluba, alors, je vois qu'il est vraiment au bout, je dois récupérer mon fils. C'est ça le départ, l'idée initiale ayant engendré les alliances. Alors, vu que l'humanité est telle que déjà, qu'est-ce que je peux faire moi, Dieu, pour récupérer cette humanité? Dieu regarde dans l'humanité, Dieu dit, oh, je vois que j'ai engendré trois grandes races. Une seule race, bien sûr, mais ayant la capacité d'engendrer les deux autres races, tout vient quand même de Dieu, parce que nous aussi, nous venons de Dieu. Alors, ces trois grandes races, comment les récupérer? Dieu a mis au départ une longue école divisée en trois cycles et chaque école devant constituer une alliance pour récupérer la race, la purifier. Et au finish, il aura toute l'humanité ou toutes les races récupérées. C'est ça la raison principale. Alors ça nous intéresse. Oui. La première alliance est récupérée que la race. Voilà. Et la deuxième et puis la troisième. La troisième, très intéressant. C'est pourquoi aujourd'hui on se pose, si les gens sont au moins d'accord que c'est ça les débuts des alliances, oui. Exactement la question la plus intelligente serait celle-là. Oui. La première c'était pour qui, la deuxième c'était pour qui, la troisième c'était pour qui, et pourquoi d'abord ces trois alliances? Oui. Première raison, on a dit avec vous, on venait de le dire tantôt, que c'était pour récupérer, catégorisant les alliances par race. Il fallait commencer l'alliance avec le rouge, l'alliance avec le blanc et l'alliance avec le noir. C'était à l'origine. Et pourquoi seulement trois alliances encore? Une autre raison fondamentale, Papa Kadiombo, c'est laquelle Dieu nous dit ceci au troisième testament. Une main normale, je sais qu'il y a des mains qui ne sont pas normales, que ce soit un doigt ou sept doigts, mais une main normale a cinq doigts. Et c'est pas pour rien que Dieu a mis ses cinq doigts sur chaque humain. C'est pour lui dire que tout ce que Dieu a engendré est regroupé en cinq règnes. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain et le règne vicien. Alors, quand l'homme a chuté, la nature a chuté, l'homme qui est d'abord l'image et la ressemblance de Dieu, que Dieu devait récupérer pour maintenant venir travailler avec l'homme pour récupérer aussi la nature, parce que la nature a été aussi déchue, l'homme en chutant au commencement, il est tombé presque derrière même le premier règne, qui est le dernier règne, qui est le règne minéral. C'est pourquoi à l'époque, c'est d'où est venue l'idolâtrie. Quelqu'un pouvait te prendre une pierre, pouvait te prendre une plante, il lit quelque part pour dire « ça assure ma protection ». Ça veut dire il prend cette histoire même plus fort que lui-même. C'est d'où est venu, ça veut dire l'homme est allé chuter là-bas. Là, nous sommes en train d'expliquer pourquoi il devait y avoir trois alliances. On a compris la raison d'être de ces alliances, c'était pour récupérer. Mais pourquoi trois? Trois, on a dit, première raison, pour récupérer les trois races. Deuxième raison très fondamentale, c'est, voilà, l'homme ayant tombé est arrivé à ce niveau. Il faut restaurer. Il faut restaurer. Il faut
recommencer ce processus pour le ramener à un homme divin, l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Dieu, sachant cela, pour venir conclure la première alliance ou le premier testament avec, qu'il a conclu avec Moïse, on a déjà pris le temps de le démontrer ici, quand l'enfant tombe dans la boue, pour le récupérer, on appelle l'enfant ou bien on le suit dans la boue? On le tire. On le tire là où il est dans la boue. Si la boue est de ce côté-là, mais mon enfant est tombé dans la boue, on court vite pour aller retirer l'enfant. Ça veut dire qu'on s'approche de l'état de déchéance où cet enfant est. C'est pourquoi Dieu, en venant pour la première alliance, a pris la forme spirituelle dans laquelle l'homme s'est retrouvé. C'est pourquoi Dieu, en parlant avec Moïse, c'était sous forme d'un feu, d'un buisson ardent, hein, qui brûlait l'arbre sans le brûler, si on peut se dire comme ça. Ça veut dire, Dieu a montré l'état d'esprit où s'est trouvé encore l'homme. C'était le règne minéral et végétal, parce que le végétal directement c'est lié au règne minéral. Il fallait prendre l'homme là-bas pour commencer avec le processus. Bien que toute l'humanité, ce testament exactement concerne toute l'humanité, mais principalement la race avec qui Dieu conclut la chose. En allant avec l'homme vers ses côtés ici, c'est pourquoi la deuxième alliance, Dieu qui est venu conclure avec Jésus, qui est devenu plus tard Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu s'est manifesté sous forme de la colombe, qui était l'animal. Ça veut dire pour dire, voilà, bien que toute l'humanité n'a pas encore quitté l'idolâtrie, n'a pas encore quitté ses règnes vers là, Dieu ne manquait jamais quelques âmes d'échantillon dans chaque génération. Alors, il y avait une âme d'échantillon, un échantillon d'âme qui avait déjà atteint le niveau du règne animal. Et quittant là-bas, c'est pourquoi au Troisième Testament, Dieu, pour venir conclure le Troisième Testament, la Troisième Alliance, est venu a envoyé son Fils, son Christ, qui avait fait de Jésus, Jésus-Christ, sous forme d'un humain. Ce que le divin père Ilungambi Dimbaye Kaza Dinkobong nous dit, que le 18 septembre 1936, lors de la conclusion de la Troisième Alliance ou Troisième Testament, c'était à 13h, il a vu un homme descendre du ciel, habillé en blanc, tenant une épée très furieuse. Après s'être présenté, il a dit, c'est moi le Fils de Dieu, aîné de Dieu, ou bien le Christ, Dieu m'a envoyé conclure avec toi le Troisième Testament. Ça veut dire... Et là, Dieu a descendu le règne animal vers le règne humain. Ça veut dire, il y avait déjà un échantillon d'âme, y compris l'âme de celui avec qui il était en train de parler, que l'humanité, d'après les processus de Dieu, Dieu était déjà avec un échantillon d'âme qui était déjà à l'état humain. C'est pourquoi, voilà, lors de la conclusion, il s'est manifesté sous forme d'un humain. Et avec comme objectif, tel qu'on le répète avec vous chaque jour, c'est de ramener l'homme à cette dimension, qui est la dimension divine. C'est pourquoi vous m'avez posé la question ici au début, vous vous sentez comment quand on vous appelle divin? Il dit, ça me fait du bien d'apprendre que je suis l'image et la ressemblance de Dieu, je viens de Dieu, mais c'est une interpellation pour dire, est-ce que je continue à être un simple humain ou suis-je en train de tendre vers un humain divin? Voilà de manière globale. En Chilubo, vous allez vous appeler comment? Parce que divin, c'est en français. Oui. En Chilubo. Vidyamukulutatu. Oui, ou d'une Vidyamukulutatu. Oui. Très bien. Oui, ou d'une Vidyamukulumam. Vidyamukulumam. Tu crées aussi. Parce qu'en principe, en français, on allait entrer directement pour dire Dieu le Père. Vous voyez? Or, en français, vous voyez, c'est comme divin pour dire on vient de Dieu, ça s'équilibre. Mais en Chiluba, nous sommes des dieux. Dieu, évidemment, pour le tâte, parce que le poisson ne met comment d'un autre poisson. C'est ça. Alors, si tu es moi la race rouge avec Moïse, oui. Vous les liez comment? Parce que Moïse, dans plusieurs évangiles que nous avons lus, Moïse était noir. Alors, comment vous liez Moïse à rouge? Merci pour la question. Je crois que c'est pour la meilleure compréhension de nos internautes. Hein. Je crois qu'on en avait déjà encore parlé. On répète pour la meilleure compréhension. Tel qu'on s'est dit au commencement, pour la meilleure compréhension, l'homme qui a péché, l'homme vraiment qui a péché au commencement, qui a été chassé du jardin d'Éden, jusque-là, ni la race rouge, ni la race blanche n'existaient pas.
l'homme qui a été maudit sur cette terre. D'ailleurs, il n'y avait que les hommes qu'en Afrique, au Congo, dont le noyau était le grand Kassai. Et cet homme, ça veut dire, c'est lui qui a été maudit, c'est lui qui a été chassé, c'est en quittant le vrai berceau de l'humanité qui est aujourd'hui ignoré. On va même, une petite parenthèse, on va revenir, pourquoi c'est ignoré. Regardez par exemple, Paka Diombo, vous voyez la carte géographique. On s'est appris que la carte géographique a quatre points, non? Ça veut dire, on est au nord, on est au sud, on est à l'est, on est à l'ouest. Mais si je mets là, je suis où? Au centre. Pourquoi ce centre? Ce centre est au nord, et au sud, à l'est et à l'ouest. Il les rassemble tout. Il les rassemble tout. Il n'est nulle part sur ce. Pourquoi lui, on ne le cite pas? Pourquoi on ne peut pas dire que on a cinq points? Parce que si je suis là, je n'appartiens à aucun point cardinal. À aucun point cardinal, plutôt. Pourquoi on a oublié un cinquième point? C'est pourquoi, voilà, c'est une des raisons pour dire, il y a certaines choses, je peux vous cacher chez vous. Mais si j'ose seulement vous dire, chez vous, il y a une barrière rouge. Chez vous, il y a un véhicule comme ça. Chez vous, il y a un chien qui s'appelle comme ça. Chez vous, il y a telle caractéristique. Même si je ne vous donne pas l'adresse, un jour, si vous êtes en train de circuler, vous passez un endroit comme ça, c'est très facile pour vous de vous retrouver. C'est ça chez nous. Ça fait partie de beaucoup de points qu'on a eu à cacher pour que, vu qu'on ne veut pas montrer à l'humanité la vraie origine de choses, si nous laissons ces genres d'éléments, l'humanité peut se retrouver et dire non, non. Même si on ne dit pas que c'est chez nous, mais on dit qu'au commencement, il y avait tel animal. Mais tel animal n'est que chez nous, non? Au commencement, tel animal était que chez nous, non? Alors, pour même empêcher aux gens de penser à ce point, oublions le centre. C'est comme on dit aujourd'hui, le globe, c'est le continent africain au centre, le Congo est au centre du continent, et au centre du Congo, il y a le Kassai. Et c'est ça le cinquième point qui a été même ignoré. Pour nous, c'est quoi le troisième testament? On dit, nous avons cinq points cardinaux. Nous n'avons pas jamais quatre points cardinaux. C'est pourquoi, une autre parenthèse, avant de revenir à la raison, vu que les gens sont partis de là, chassés maintenant, c'est là où ils sont allés fonder le premier foyer de civilisation après la chute, qui est l'Égypte. Et c'est pas pour rien. Mais les Blancs montrent nous ont que des accès pour dire que les Baluba sont venus de l'Égypte pour habiter là-bas. Alors que c'est le contraire. C'est pratiquement le contraire. C'est pourquoi moi je vous avais flashé dernièrement pour dire que la cession de M. Félix Tshilombo à la tête de ces continents, que stratégiquement, comme on a toujours dit, Dieu c'est le plus grand planificateur, stratégiquement, avant d'occuper cette chaise de l'Union africaine, à deux doigts, il a fréquenté un pays. Ça, loin l'idée de le minimiser, mais j'ai l'image. Je ne crois même pas qu'il comprend ce que Dieu est en train de faire avec lui. Je pense qu'il comprend. Il est allé, je l'ai vu au pied du Sphinx. Et sa manière d'être au pied du Sphinx est différente même d'Obama, de Sarkozy, les autres. Mais lui, c'est exceptionnel. Il est au centre, il est seul, il est là. Et je vois le Sphinx et lui là-bas. Comme pour investir. Voilà. Voilà, ça c'était une parenthèse, on aura le temps de venir. On vient directement sur votre question, le rouge et le noir. Ouais. Comme vous avez dit, quand tout a été chassé, c'était le noir. Et Dieu dit quoi? Parce que ce toit noir qui a l'origine de la chute de l'humanité, nous devons avoir le droit de le reconnaître. Ouais. C'est l'homme noir qui a fait chuter l'humanité. Parce qu'il n'existait que l'homme noir à cette époque-là. Alors pour commencer à récupérer l'humanité, il a fallu que l'homme noir soit le premier à activer ces processus de récupération. Mais Dieu s'est dit, bon, c'est l'homme noir qui doit récupérer. Mais quand les gens tombent, la première personne à récupérer, des fois on néglige un peu l'aîné. On a tendance à vouloir récupérer d'abord le plus jeune que l'aîné. Raison pour laquelle je dis, ok, comme c'est l'homme noir qui a l'origine, c'est lui qui doit déclencher, bien que je dois conclure cette race avec la race rouge. Moïse, on l'a déjà testé plus d'une fois ici, que Moïse est de la race noire. On l'a déjà dit, Moïse est un Africain. Mais Dieu, dans ses planifications, il s'est dit, parce qu'il doit aller, je dois l'utiliser comme testateur, comme médiateur de la première alliance avec le rouge, il devait entrer en mariage avec une rouge. Raison pour laquelle on a toujours répété que Moïse, c'est un noir, c'est un Africain, mais il s'est marié à une Asiatique. Ça veut dire les Asiatiques, nous sommes leurs oncles paternels. C'est pour ça, voilà, cette unité de mariage, cette qui a fait des choix, qui a créé la déchéance de l'humanité, avec le peuple
qu'on devait relever ou avec lesquels on devait conclure la première alliance. Il fallait, voilà, l'homme devait se marier avec la femme de ce peuple-là pour arriver bien à libérer ces peuples-là. C'est ça le lien qu'on peut tirer. Et le blanc, il est venu d'où? Ouais, le blanc, il est venu d'où? Ici, Moïse, noir, oui, qui épouse une asiatique, oui, et qui nous pond du rouge. Oui. Maintenant, le blanc aussi. Oui. Il y a eu quel phénomène pour que le blanc arrive? Ok. Là, nous rentrons vraiment à la genèse des choses. Mm. Tel qu'on le disait, tout a commencé au Kassai, après avoir pêché au Congo, en Afrique, pour être bien général. Quand on a chassé l'homme, l'homme est allé ce qu'on appelle en débandade, voilà, en débandade désordonnée, et il est allé avec sous vibration de Dieu, sous vibration de la rébellion satanique, il est allé fonder le premier foyer de civilisation en Égypte. C'est à partir de l'Égypte, d'après les révélations du livre du Troisième Testament, c'est à partir de l'Égypte que Dieu a permis l'activation de cet attribut qui était ancré dans l'homme noir de produire les autres races. Ça veut dire les autres races, telles qu'on l'a dit, on l'a déjà démontré dernièrement, ont commencé à partir de l'Égypte. Amenés à l'existence par le noir eux-mêmes, mais ayant l'attribut de produire les deux autres races. Alors, la race rouge est partie de l'Égypte vers l'Asie, et la race blanche est partie de l'Égypte vers l'Europe. Voilà les deux origines de ces deux races-là. C'est pourquoi Dieu, on l'a même déjà démontré dernièrement encore, pour prouver à l'humanité avec le signe physique que c'est de ce noir qui provient de deux autres races, on l'avait déjà démontré la fois passée. Voilà, ici c'est rouge, ici c'est noir et ici c'est blanc. Un signe qu'on ne peut pas retrouver chez les deux autres races. Et cet attribut continue à fonctionner chez l'homme jusqu'à maintenant, mais de manière un peu dégradée. Noir et noir, on met au monde un sakimwabi qu'on appelle comme ça, c'est pratiquement du rouge, et un noir et noir qui met au monde un chitokatoka qui est pratiquement le blanc. Et un noir et noir, il met au monde un autre noir, ce qui ne se fait pas avec les autres races. Alors là, Moïse rouge, Jésus blanc. Oui. Moïse rouge, Jésus blanc, et on l'a aussi dit dernièrement, blanc pourquoi? Voilà. Une fois Moïse a déclenché le processus, ça veut dire, tel qu'on a dit, à chaque alliance, Dieu ne manquait pas d'avoir un échantillon d'âmes ayant évolué. Alors, vu que le noir a déclenché, il fallait que maintenant le processus continue. Or, Dieu ne pouvait pas aller prendre, parce que la deuxième alliance était pour le blanc, ne devait pas aller se choisir une âme chez les blancs, parce que eux jusque-là il n'y avait aucune alliance avec Dieu. Ils devaient choisir dans l'échantillon de la première alliance. C'est pourquoi il est allé choisir dans l'échantillon de la deuxième alliance, de la première alliance, Jésus. Et l'histoire a démontré que c'est vrai, parce que même Jésus l'a dit. Nous, au Troisième Testament, Dieu nous dit, si Jésus est venu seulement, or devant conclure la deuxième alliance qui était attribuée au rouge, mais Jésus un blanc, c'est pour cette raison-là, parce que c'est l'échantillon entre le rouge et le blanc qui était un peu évolué spirituellement avec la première alliance de Moïse. Et deuxième raison, c'est pratiquement quoi? Jésus, même quand il parlait aux gens, vous sentez que cette alliance n'était pas proprement pour les gens avec qui il évoluait. Parce qu'il a dit, on dirait Jésus faisait ce qu'on appelle tentative de récupération encore. Mais plus tard, il leur a dit clairement que combien de fois ai-je fait l'effort de vous rassembler comme une poule rassemble ce poussin? Vous ne m'avez toujours pas compris. Israël, Israël, Dieu a envoyé des prophètes, vous les avez lapidés. Dieu a envoyé, vous les avez tués. Retenez que votre maison vous restera déserte. C'est clair. Et le royaume de Dieu vous sera ravi et sera donné à un autre peuple qui emportera le fruit. C'est pour dire que les peuples qui étaient spirituellement destinés à porter les fruits de la deuxième alliance n'étaient pas la race blanche, n'étaient pas la race rouge. Mais ce que lui faisait, l'angle de l'échantillon dont nous venons de parler, mais stratégiquement, l'histoire l'a prouvé, comment les gens ne savent pas expliquer
comment est-ce que ça peut jouer que le christianisme soit parti de Rome, et de Jérusalem à Rome, et c'est à partir de Rome que, voilà, de l'Europe, que les choses... Si aujourd'hui, voilà, le christianisme est éclaté, ce n'est pas parce que ça vient d'Israël, au contraire, parce que ça vient de l'Europe. C'est ça un peu le lien qu'on peut s'y établir entre... Vous savez, nous allons chuter. Nous n'allons pas tout traiter. Nous reviendrons la semaine prochaine pour avancer encore davantage. Mais il y a une question. Les gens nous harcèlent. Vous avez essayé de répondre. Répondez encore. Les gens veulent lire les écrits de la Troisième Alliance. Ils insistent. Vous êtes au courant. Et comme ils me posent trop de questions, j'aimerais que vous donniez votre numéro d'appel, qu'ils vous appellent en direct. Comme ça, vous avez des éléments de réponse à donner pour les adresser. Finalement, ils me prennent pour un aventurier parce qu'ils trouvent que moi, je gêne, je refuse. Ils entrent en contact avec vous. Alors, donnez votre numéro d'appel pour que vous soyez en contact et dites, quand est-ce que vous allez mettre les écrits? Même ce gros, peut-être, il y a moyen d'y aller par palier. Parce que même moi, personnellement, j'ai du mal à faire une émission avec vous parce que je ne lis pas les écrits de la Troisième Alliance. Voilà. Ouais, merci, Apaka Diombo. C'est une remarque importante. Je crois que vous avez déjà eu le temps de la faire plus d'une fois. Et nous vous garantissons que c'est une remarque qui est très bien notée. Et telle qu'on l'a dit la fois passée, que nos internautes prennent leur mal en patience. Le livre est là. Et bientôt, là, il sera à leur disposition. Il fallait se cacher, il fallait être au front pour mener un combat véritable dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Et vu que cette étape est terminée, et nous avons le feu vert de se tenir aujourd'hui devant la caméra pour annoncer cet évangile, nous sommes en train de mettre quand même les choses en ordre. Hein. Donc, tel qu'on a expliqué la fois passée, c'est pas avec la même tenue qu'on a été au front, c'est pas avec cette même tenue qu'on peut s'amener dans une fête. Alors, l'évangile, c'est quelque chose qu'on doit porter aux yeux de tout le monde, mais il faut qu'on mette un peu de l'ordre du point de vue quelques petites erreurs de saisie, surtout que c'est un livre sacré, on ne veut pas tomber dans le même chose avec ce que les deux alliances ont connu, falsifier les écritures ou bien commencer à publier des choses qui se contredisent. Alors il faut qu'on se rassure, vu que dans la saisie première c'était d'abord à usage interne, maintenant que ça veut sortir, est-ce que ce que nous sommes en train de vouloir sortir est-il authentique, est-il à 100% à ce que le manuscrit original du testateur a laissé. C'est pratiquement dans cet ordre-là. Ils auront ce livre. Pour ceux qui veulent nous contacter, le numéro WhatsApp est le 243 81 650 14 65. 243 81 650 14 65. Très bien. Parce qu'ils vont vous contacter sur la Troisième Alliance. Les gens qui sont chez eux à la maison, qu'ils s'en tiennent à quoi en attendant que les livres arrivent? Parce que quand même, ils partent toujours dans leurs églises traditionnelles. Mais qu'est-ce que vous leur donnez? Parce que la Troisième Alliance est là, mais ils ne l'ont pas physiquement. Ouais, merci. Tout ce qu'on peut leur dire à ces stades, et que s'il y a Troisième Alliance, s'il y a Troisième Testament, on l'a dit, on le répète, c'est parce qu'il y a eu Première et Deuxième Alliance. Et on le dit, on le répète encore, ces deux premières alliances sont déjà déchues. Ça veut dire, elles ne lisent en termes d'alliance. Oh, s'il vous plaît, elles sont déchues ou bien révolues? Révolues, déchues, révolues, inefficaces, inopérantes, voilà. Elles sont vraiment inopérantes, inefficaces, parce qu'il n'y a plus, ces deux alliances ne lient plus l'humanité à Dieu. Ces deux alliances, Dieu ne travaille plus avec ces deux alliances pour conduire les événements mondiaux. Dieu travaille. Maintenant, nous parlons avec vous,
avec la troisième alliance, avec le troisième testament. Cela ne veut pas dire que quand ils se retrouvent dans leurs églises en train de prier, Dieu ne les écoute pas. Non, Dieu les écoute. Parce qu'il y a même certaines personnes qui sont là, pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce qu'ils ignorent encore ces messages, parce que... Ils n'ont trouvé que ça. Ils n'ont trouvé que ça. Alors que, physiquement, ces alliances-là, c'est comme je peux ne pas être en contact permanent avec mon voisin, mais voilà, je peux passer et jeter un petit bonjour, mais voilà. L'alliance, ce n'est pas parce que je ne suis pas en contact qu'il n'existe pas. Qui n'existe pas, voilà. En tant que parent, ils continuent à exercer, mais pour leur donner au moins peut-être, pour terminer, les quelques caractéristiques qui montrent exactement que cette alliance n'est plus, cette alliance était là, mais ne vit plus, voilà. Les deux alliances sont là, parce qu'on voit les églises, comment vous dites que les alliances sont les frères, ils sont là, mais ces alliances ne vivent plus, il n'y a pas de vie dans cette alliance-là. C'est quoi les caractéristiques? Dieu nous dit au Troisième Testament que la toute première caractéristique de la vie d'une alliance, c'est qu'il laisse son fils aîné, qui est Christ, se manifester dans le représentant de cette alliance, et les vibrations de cette représentation se transmet dans les différents prophètes tout autour de ces représentants. À travers ces prophètes, Dieu donne sans couper, sans arrêt, de révélations ou de nouvelles saintes écritures. Or, si nous vous regardez, pour montrer que notre robinet continue à donner, c'est quand on l'ouvre, on sent qu'il y a toujours de l'eau qui doit couler. On dit que les nouvelles saintes écritures doivent continuer. Mais malheureusement, vous serez d'accord avec moi que depuis qu'on a commencé avec Genèse, qu'on a terminé avec Apocalypse, il n'y a rien de nouveau. On dirait Dieu ne parle plus. C'est pour nous démontrer le signe de la déchéance. Ça veut dire ces vibrations sont déjà parties, ils sont restés avec les écrits, mais les écrits sans vie. Parce que ce qui donne vie, c'est ce Christ qui est dans ces écrits-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est pourquoi, dernièrement, j'ai parlé avec le chrétien pour dire, il y a des chrétiens qui refusent la Noël. Il y a des chrétiens qui fêtent la Noël. Nulle part dans la Bible, on parle d'un 25 décembre. C'est quoi le problème? Non, exactement, Jésus n'était pas né le 25, mais pour se rappeler de lui, nous nous sommes imaginé une date. J'ai dit, ok. Faire des arrangements. Des arrangements. Dit, non, c'est une bonne idée de se rappeler de votre maître. On ne se convient pas. Votre maître là, vous êtes en contact permanent avec lui ou bien le téléphone ne passe pas? Il dit, non, Jésus, il est Azali, Awa. J'ai dit, ok. Mais si. Moi, je suis marié. On dit l'Église, c'est la femme du Christ. Tel qu'on le dit, on le répète. L'Église, la femme, l'époux, notre époux viendra prendre sa femme. Ton mari, vous êtes avec ton mari, tu es la femme. Après quelques années, le mari voyage. Tu te rends compte que tout le temps qu'on a passé avec le mari ici, je n'avais pas sa date d'anniversaire. Mais comme il est loin, je peux quand même commencer, même le jour de l'anniversaire, je fête. Le premier réflexe que tu dois avoir, c'est quoi? C'est prendre ton téléphone. Alors chérie, tu étais né quand? Je viens de perdre le papier sur lequel j'étais écrit. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'appelez pas? Là où il est, il n'y a pas de réseau. Ou bien c'est votre téléphone qui n'a pas de charge. Donc on comprend qu'exactement, il y a coupure. L'autre dit c'est le 25, l'autre dit ce n'est pas le 25. Le même maître. Alors mettez-vous tous les chrétiens ensemble. Mettez les unités. Communiquez votre maître. Dites maître, on avait oublié. Est-ce que tu peux nous départager? On a pris une... Parce qu'il suffit que ce maître-là revienne. Il trouve, alors qu'il est né par exemple le 14 janvier. Mais lui, il revient le 25 décembre, il trouve une fête. Sa femme organise une fête pour dire... Et puis, il demande. Il demande, la fête c'est qui? Non, c'est pour mon mari. C'est quoi? Ah, moi je suis le 14. Comment la fête du 25? Ça veut dire... Laissez les gens fêter, sinon ça fait la honte. Alors, ça veut dire la fête là n'est plus la fête de ce mari-là. La femme a déjà trouvé un autre mari. C'est le mari... Le nouveau mari pour qui on fête maintenant la date du 25 décembre. Parce que est-ce que pour faire ça, il faut être scientifique? Ça ne demande pas. C'est comme aujourd'hui. Il y a de ces écrits quand nous sommes en train de mettre au propre là, exactement. On se retrouve de certaines déclarations. Je dis, mais Dieu, ici même nous, ça nous dépasse là. On ne comprend pas. On s'est réunis dans une retraite. On téléphone. Tu nous as laissé, tu nous avais envoyé un texte comme ça depuis 1945. Mais on ne le comprend pas. C'est quoi? Non, non. Quand j'avais dit ça, ça voulait dire ça, ça voulait dire ça, ça voulait dire ça. La même chose, on rassemble les réponses. Si la réponse vient d'une seule source, elle sera unique. Mais si la réponse vient d'une seule source et elle est différente, ça veut dire soit la source est abîmée,
deux fois elle donne la bonne réponse, deux fois elle donne la mauvaise réponse, ou bien sont deux sources différentes. Ouais. C'est pratiquement ce qui est avec le christianisme. Donc, tel que vous l'avez dit, on ne sait pas tout terminer maintenant. La suite sera exactement pour... beaucoup de gens disent, mais écoutez, vous nous amenez le livre, mais est-ce que vous ne pouvez pas nous montrer que dans ces livres-là, vous voyez, par exemple, prenez l'enfant à l'école primaire, il ne faut pas directement commencer tel que vous nous avez conseillé au début, commencer directement avec lui, avec les intégrales. Vous voyez, il faut toujours commencer avec des choses qu'il comprend pour monter avec lui vers ce qu'il ne comprend pas. Est-ce qu'on peut parler du Troisième Testament dans la Bible? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des promesses de notre évangile, d'une autre alliance qui devait être troisième? Est-ce qu'on s'est retrouvé de traces comme ça dans la Bible? Est-ce qu'on s'est retrouvé de traces comme ça en dehors de votre livre, même les autres livres qui ne sont pas la Bible, qui ne sont pas africains, mais qui sont du monde? C'est pratiquement cet aspect qu'on pourra, par lequel on pourra continuer notre deuxième numéro. Le Troisième Testament est-il authentique? Ça, ça peut être pris comme première partie. Et la deuxième partie, on aura à suivre ce cheminement-là. Merci beaucoup. Chers internautes, vous venez de suivre le divin Père Kabuya. Il a expliqué, peut-être que je lui demanderai la prochaine fois, les mêmes explications. Vous m'entendez, Kabuya? Oui, je vous entends très bien. Si ça peut s'expliquer en Lingala, en Chiluba et en Swahili. Parce que vous parlez toutes ces langues là-bas. Oui. Parce que... Je tâtonne un peu en Lingala, mais voilà. Oh oui, parce que si vous sentez, hein, le besoin n'est pas le besoin de ceux-là qui parlent français. Mais le besoin est pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité ne parle pas français. Et même les gens qui vont nous suivre, on parle alliance, on parle ceci, on parle... Quelque part, ils sont perdus. Ils risquent de retourner dans les alliances déchues parce que finalement, ils ne vous comprennent pas. Mais si ça s'explique en langue du terroir, un langage simple, ils peuvent bien saisir le message. Ça, je peux vous le garantir. Ouais, moi, je comprends. D'autres aussi comprennent. Mais beaucoup de ceux-là qui affluent dans les églises, je vous dis, hein, moi, je suis en contact avec beaucoup, ils sont fatigués. Ils sont franchement fatigués. Le risque, c'est qu'on peut, dès qu'on les laisse longtemps, c'est Satan qui les récupère. Parce que l'Église a déçu. Parce que même pendant le Covid, quand ils ont entendu des pasteurs donner des numéros d'RTL, de ceci, envoyer l'argent, bon, ils se sont dit, mais ces gens, est-ce qu'ils ont la conscience? La maladie est là. Ils nous ont pas fait. Ils demandent qu'on donne l'argent alors qu'on ne travaille plus. Parce qu'on avait fermé des supermarchés, tous les... Comment est-ce que c'est possible, ces gens? C'est ce que vous avez dit. Alors, la toute dernière, il ne faut pas m'en vouloir. Parce que vous commencez à me regarder comme ça, comme si je suis aux autres. Ces gens-là, ils ne jurent que par Jésus-Christ. Dans l'entretemps, vous leur dites quoi? Qu'ils prient au nom de Jésus, comme toujours, ou bien qu'ils arrêtent de prier? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en attendant les écrits sur la troisième alliance? Merci Papa Kadiongo. On ne peut pas jamais interdire à quelqu'un de prier. Ça, c'est le premier élément. Qu'il continue à prier. Mais tout ce qu'on pourra leur demander pour l'instant est que devant Dieu, qu'on ne s'amène pas plein. Ouais, on dirait qu'on s'amène déjà plein. On dirait tout ça là comme formule mot boy, juste pour dire on a prié. Donc il faut quand on s'amène devant Dieu, c'est vider d'abord. Ça veut dire se prendre pour un ignorant et laisser Dieu vous remplir. Voilà. S'amener devant Dieu, quelle que soit votre façon de prier, si vous priez à genoux, si vous priez assis, si vous priez les yeux fermés, si vous priez les yeux ouverts, tout ce qu'on peut leur demander, ne cessez jamais de prier. Mais chaque jour dans votre prière, dites ça à Dieu. Parce que j'ai suivi une de vos émissions avec le prof Chalala. J'avais aimé une de ses citations. Elle dit, la grandeur de Dieu, c'est de crier et de cacher. Et la grandeur de l'homme, c'est de chercher et de trouver. C'est vraiment important. Alors, Dieu qui a crié, Dieu a caché la vérité.
Alors, la grandeur de leur grandeur sera de chercher cette vérité et de la trouver. Mm-hmm. Alors, dans leur prière, on croyait que c'était fini avec les alliances. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qui arrive? Ouvre-moi les yeux, je suis ignorant. Mm. Je ne veux pas demain qu'on dise, je n'ai pas été là-bas, je serai frappé de ça. J'ai été là-bas, je pars à la perdition. Conduis-moi. C'est quoi cette histoire? C'est toi qui viens ou c'est quelqu'un d'autre qui est en train de prendre la couverture divine alors que le fond n'a rien à voir avec ça? Certainement, Dieu ne manquera pas, s'il prie avec sincérité, honnêteté, toute conscience, Dieu ne manquera pas d'inspirer une réponse vraie par rapport à cette question-là. Mais vous, dans vos prières, Christ a une place? Oui. Jésus-Christ de Nazareth? Oui. Très bien. Tel qu'on a dit, Christ, fils aîné de Dieu, Jésus-Christ, un des prophètes qui a connu l'incarnation, la manifestation du Christ. Là, ça sera une prochaine émission. Ah oui. De faire la différence entre la manifestation du Christ dans l'homme Jésus. Oui. Si le même Christ peut se manifester dans divin Gabriel. Exactement. Voilà. Là, il faudrait qu'on arrive à faire des émissions pour qu'ils comprennent. Comment savoir qu'il se manifeste à moi? Et pourquoi Christ? Pourquoi toujours ce terme-là? Et ce terme-là, Christ, si on l'enlève dans notre langue, on peut l'appeler comment? Ça sera très important. Merci d'être venu. Merci franchement. Si bien que les autres n'ont pas parlé, hein, je pense que vous êtes comme les gourous, hein? Les autres ne parlent pas, c'est vous qui parlez. Non, en fait, eux devaient, si vous le voyez, ils ont certaines choses qu'ils devaient lire dans la partie hein, qu'on a carrément balancée à notre deuxième numéro. Qui plus donc, le deuxième numéro, ouais. Ils vont parler. Exactement. Donc, qu'ils ne m'en veulent pas, ils risquent de rentrer fâchés contre moi parce qu'ils n'ont pas parlé. Non, madame est fâchée, c'est pourquoi je dis ça. Non, c'est pas fâchée. Ah, heureusement. La divine mère, c'est Sinon, femme, soyez soumise à vos maris. Franchement, non, sincèrement, vous m'avez envoyé un élément, je l'ai déjà, là où on dit la race noire, c'est là où il y a Dieu, c'est là où il y a le vrai Dieu. Cet élément, je demande à la technique de nous balancer, comme vous aimez que ça sorte de la bouche d'un blanc, le blanc vous parle. Suivez cet élément. Ça veut dire que Kouchi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yudke Vavke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu, on appelle le noir Kouchi, qui fait allusion à Yesh Avayé. Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Incroyable. Incroyable. On va aller plus loin. Là, vous vous tenez bien, vous attachez vos ceintures, pour pas tomber. Le mot Mashiach. Mashiach en hébreu, c'est le Messie. Le mot Mashiach, quand on tourne les lettres sans les changer, les deux premières lettres, c'est Memshin, qui veut dire Shem. Shem, c'est l'identité. Quelle est l'identité du Mashiach? Les deux premières lettres du mot Mashiach signifient l'identité. Et après, on a un Yud et un Chet, qui sont les deux premières lettres de Israël et Cham. Israël, Yud, Cham, l'origine des peuples africains, comme on va le voir dans quelques instants. Ça veut dire que le Mashiach porte l'identité du peuple d'Israël et des peuples africains. Parce que vous venez de suivre, ça vous a fait beaucoup plus plaisir. Voyager sur le Kassai oriental, il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Allez, vous serez logé à l'hôtel Gloria avec tous les services qu'il faut. Vous les Kassaïens, vous voulez manger seulement ce que vous aimez. Du chicha, du lombu, voadi. Vous avez des noms bizarres, hein, comme repas. Vous allez trouver ça. Cet hôtel vous donne tout.
Si vous voulez, parce qu'un Kassaïen qui attrape beaucoup d'argent, il change même la démarche. Il vit à Dubaï, il revient au pays, où est l'hamburger, il prononce très mal. Des hamburgers, vous allez les trouver à l'hôtel Gloria. Vous allez manger à votre faim. Et surtout, j'insiste, quand vous allez descendre au Kassaï pour les grands séminaires, ou bien les grands symposiums, allez là-bas, parce que je viendrai, vous allez me trouver là-bas. Comme ça, quand la conférence passe, nous rentrons dans... D'ailleurs, l'hôtel Gloria a des salles de conférence. Il a tout. Et l'électricité 5 sur 5. Matin, midi, soir. Et donc, vous êtes bénis, spot publicitaire, hôtel Gloria. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes de tout rang, vous qui venez en Mbujimayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec trois types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide. Une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur Terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachalabonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Ce n'est pas seulement au Kassaï où on fait des œuvres. Je veux vous présenter ici, mais j'aimerais qu'on m'écrive par les gens de Kivu où il y a une école moderne. Je ne sais pas si c'est le grand scientifique Denis Mukwege qui est à l'origine, mais quand même, moi, je vous passe l'image. Regardez cette école construite au Kivu, moderne, mieux équipée. Non, je suis flatté. Et vous, les gens du Kassaï, du Katanga, faites des écoles au modèle de cette école que je vous présente. Veter.
Alors, tous les Congolais, pensez chez vous. Vous avez beaucoup d'argent. Vous aimez la capitale Kinshasa, c'est bien. Mais chez vous, on a besoin des choses telles que vous venez de le suivre. D'ici là, portez-vous bien. Likez les émissions, abonnez-vous et nous serons plus que heureux. Bye bye. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Papillon, 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 papillon